On vaut rien, mais on est qualifié. On vaut rien, mais on est qualifié. On vaut rien, mais on a battu le Mali. On vaut rien, mais on va battre la RDC. Oh, pardon, pardon. On dit d'être humble, donc je suis humble, humblement dans l'humilité. Non, on ne va pas battre la RDC parce que nous sommes des vauriens. On ne vaut rien, mais bon, sait-on jamais. Dans la douleur, la détermination et surtout la résilience, la Côte d'Ivoire est venue à bout du Mali. Les éléphants sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Scénario absolument fou avec un ascenseur émotionnel. On a beaucoup de choses à vous montrer dans cette émission. Nous irons à Bouaké, ensuite à Daloa, puis à Bondoukou. Mais avant, on ne va pas bouder le plaisir de revoir ce match, cette victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, 2-1 sur le Mali. Résumé, signé Mam Gueye. La résilience, c'est le terme qui convient aux éléphants de Côte d'Ivoire après un autre match héroïque contre les aigles du Mali. Les Maliens, donnés favoris dans la rencontre face aux repêchés ivoiriens, n'en reviennent pas. Comme ce fut le cas contre le Sénégal, la Côte d'Ivoire a eu du mal à rentrer dans son match. Le Mali en profite. Le premier avertissement intervient sur cette frappe de Sikou Niakhaté à la 12e minute. La main d'Odilon Kossounou est sur la trajectoire du ballon. Mais après consultation de la VAR, le pénalty n'est pas sifflé. Les Maliens poussent et sur cette action, 4 minutes plus tard, Odilon, qui a passé une soirée difficile, commet la faute dans la surface de réparation. Pénalty pour le Mali. Le sort semble une fois de plus s'acharner contre les Ivoiriens. Mais Yaya Fofana intervient et arrête la frappe d'Adama Traoré. C'est l'un des tournants du match. Et c'est arrêté par le gardien Yaya Fofana qui se jette et qui empêche le Mali de prendre l'avantage dans ce quart de finale. Au retour des vestiaires, le Mali a la possession de la balle devant un bloc bas. Les aigles tentent des tirs de loin. Néné Dorgelès, rentré à la place d'Adama Traoré, profite de la glissade de Franck Caissier et déclenche un tir. Le ballon enroulé trompe Yaya Fofana. 1-0 pour le Mali. Mais à 10 et poussé par son public, la Côte d'Ivoire n'abdique pas. Les Ivoiriens semblent même avoir trouvé un second souffle. Ils y croient jusqu'en toute fin de rencontre. Simon Adingra, rentré à la place de Jean-Michel Seri, remet les pendules à l'heure à la 90e minute. Dans les prolongations, les Ivoiriens ont la possibilité de passer devant, mais la tête de Haller ricoche sur le montant de Djigui. Il faudra attendre les arrêts de jeu de la prolongation pour voir les éléphants barrir à nouveau. La frappe de Sékou Fofana est déviée d'une talonnade par Omar Diakité. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. L'incroyable histoire, Sékou Fofana à l'ultime seconde de la prolongation. Sékou Fofana qui va... Le Mali est éliminé de la compétition. Le miracle ivoirien se poursuit. Les éléphants croiseront le fer avec la RDC mercredi en demi-finale. Scénario invraisemblable. Dans ce match, les éléphants nous donnent une vraie leçon de vie. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui se passe dans votre existence, il ne faut jamais abandonner. Jamais, non. Il faut tenir jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Denise Kouadio a suivi un reporter ivoirien à Bouaké pendant ce match. Elle vous propose ce reportage. Ce trajet juste pour parabout pour notre patrie, la Côte d'Ivoire. Et jouer contre le Mali aujourd'hui, pour nous, c'est une grande fierté de se retrouver en quart de finale, chose qui n'était pas évidente dès le début. Alors donc, on va pour battre le Mali. La CAN se passe chez nous ici. On a eu la chance de vivre la première CAN en 1984. On était des gamins, des enfants. Aujourd'hui, là où on est arrivé, 40 ans après, on a une deuxième CAN. Ne pas suivre un match, ce n'est pas normal. Alors que nous aimons le football, nous aimons la Côte d'Ivoire, nous aimons les éléphants. Donc je pense que, pour moi, c'est un signe d'amour, c'est un signe de patriotisme que de quitter Abidjan pour aller suivre les quarts de finale jusqu'à Bouaké pour supporter les éléphants. Allez!
Il n'y a rien à dire, on garde toujours l'humilité, mais le Mali, les aigles passeront dans la sauce, pour parler comme les Camerounais. Voilà, on va gagner. D'abord, c'est un sentiment de bonheur et de fierté d'être là, à ce stade-là de la compétition, d'être à quelques mètres du stade de la paix de Boaké. Et j'ai confiance pour la Côte d'Ivoire et j'espère qu'on gagnera ce match. Merci. Sénégal. On croyait la meilleure équipe d'Afrique. Mais c'est pas Mali qui a éliminé ça. On a éliminé Lyon. C'est pas elle du Mali qui a venu l'éliminer. Et puis ils ont pris nos joueurs pour nous faire mener. Il a joué ici. Et il a dit gagner. Non, ça n'a jamais vu. D'abord, on a lancé un match. Nous, on a lancé les enfants. Donnez à votre fils. Ça fait de la défaite du Mali face à une équipe héroïque des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, certains joueurs arrivent à accepter cette défaite, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pierre Thiébi était à Boaké dans les travées du Stade de la Paix. Il a pu voir des joueurs, il a recueilli leurs réactions, notamment Max Alain Gradel, Seko Fofana et surtout la réaction du joueur malien Kiki Kouyaté. On les écoute. On est passé de là à là et ça ne s'arrêtait pas. Et franchement, c'était incroyable. Il n'y a que le football pour nous faire vivre ce genre d'émotions-là. Et voilà, on est content pour tout le pays et tous ceux qui nous ont supportés. Un mot au public de Boaké. Incroyable. Ils ont joué leur rôle aujourd'hui à fond. On avait des frissons et même quand on était à 10 contre 11 sur le terrain, on ne s'est jamais senti inférieur. Et on avait l'impression d'être à 20 contre 10 contre 11. Et franchement, ça nous a poussé, ça nous a permis de revenir dans le match et l'emporter à la fin. C'était pas un match facile. On a mis des choses en place et on est tombé face à une très bonne équipe. On savait que c'était des très bons joueurs. Maintenant, on a eu aussi des épreuves qui ont été difficiles avec le pénalty, le carton rouge. Mais voilà, on a pris un but aussi en deuxième. Mais on a toujours cru et aujourd'hui, on a été récompensé. On est très heureux et on espère qu'on a pu apporter énormément de fierté au peuple ivoirien et toutes les personnes qui ont pu regarder ce match. Vraiment, je pense que les gens qui ont été donnés, sur nos volontaires, ils m'ont apporté là, à l'OBI. Il y a un pénalty sur l'adversaire ou le Gita, mais je pense que je pense que ni regret te ban alina me dan kaburu kono domina ni regret bi kana. Je résume en quelque sorte ce que vient de dire Kiki Kouyaté en Bambara. C'est vrai qu'il parle d'un fait de jeu, il parle d'un pénalty qui n'a pas été accordé au Mali, mais il dit surtout qu'ils auraient pu gagner cette rencontre, ils auraient dû gagner ce match face à la Côte d'Ivoire, surtout qu'ils étaient à 11 contre 10. Et ce qui est quand même difficile, il dit qu'ils n'oublieront jamais cette défaite. Ils emporteront leur remords jusque dans la tombe. Ah, c'est fort. C'est très fort. Yako à nos amis du Mali. Franchement, Yako. Cette victoire des éléphants de Côte d'Ivoire a été suivie un peu partout sur le territoire national. Meshack Steve était dans une fan zone à Bandoukou. Il vous propose l'ambiance qu'il y a eu dans cette zone. Je suis Traoré Chaka. Je vis en Côte d'Ivoire avec mes frères ivoiriens burkinabés, Bonoukou, Plasma Bonoukou. Voilà, ici chez moi, il n'y a pas de problème. On est ensemble ici, il n'y a pas de problème. Ça vaut au moins 20 ans. Donc je suis fier des Ivoiriens. Je supporte Côte d'Ivoire, Mali, c'est mon pays. Voilà, on est ensemble. Qui va renverser le jeu, qui porte beaucoup. Hein. Le ballon, c'est Seko Fofana. Pour le moment,
nous sommes sur le bon chemin et je prie Dieu à ce que cette rencontre soit en notre faveur. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Merci. Je suis l'initiateur de ce village Cannes. Alors, vous voyez la foule, la joie. C'est vrai que le match a été intense, mais nous étions convaincus que nous allons gagner. Nous étions vraiment convaincus. Moi particulièrement, j'étais convaincu. C'est vrai, le match était intense, mais cette coupe, elle demeurera en Côte d'Ivoire. J'en suis sûr, je vous le promets. On n'a pas encore fini de vous montrer tout ce qui s'est passé sur le territoire national après la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire après Boaké. Vous avez vu Bondoukou et maintenant on vous propose ce qui s'est passé dans le Haut-Sansandra, précisément dans la ville de Daloa. Je cherche une solution, comme on appelle un puits seulement. Je cherche un puits seulement pour aller à la maison tranquillement. Quoi. Ça dépend de Dieu, je pense sur Dieu. Je sais qu'on va gagner 2 euros, Inch'Allah, si Dieu le veut. Une incroyable deuxième chance. Oui, ça s'est vu lors du match face au Sénégal avec le champion Afrique qui a tremblé. Qui a donné un tempo, qui a joué techniquement face à un adversaire qui reculait. Là, c'est. La victoire est là et nous sommes fiers. Nous sommes fiers des éléphants. Bravo, bravo tout simplement. Belle victoire, bravo. Ils nous ont fait rêver les éléphants et nous voulons rêver jusqu'à la coupe. La coupe c'est chez nous et la coupe reste chez nous. Bravo aux Ivoiriens, bravo à toute l'équipe, bravo à tous. Merci à notre correspondant Thio Bakary pour ces images. Dans le deuxième match de la journée, l'Afrique du Sud s'est imposée face au Cap-Vert au tir au but. Avant de recevoir Mam Gueye, on vous donne le programme des demi-finales. Le mercredi 7 février prochain, Nigeria-Cap-Vert à 17h. Et sans oublier bien sûr, Côte d'Ivoire-République démocratique du Congo à 20h. Recevons à présent Mam Gueye pour les 7 infos de la CAN. La Côte d'Ivoire est qualifiée pour la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 à domicile. Et Mam, oui. Grande joie. Oui, très grande joie. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, très plaisir. Et puis, de toutes les façons, c'était évident, hein, humilité, zéro humilité. Zéro humilité, l'humilité des Ivoiriens. D'accord, donc la Côte d'Ivoire qualifiée pour les demi-finales. Et on va ajouter à la joie des Ivoiriens avec cette nouvelle information, n'est-ce pas? Alors, on va parler de Seko Fofana pour la première information, oui. Qui prêtait par Al Nassr à Al Ittifaq pour 6 mois pour remplacer Jordan Henderson qui a rejoint l'Ajax Amsterdam. D'accord, deuxième info. Deuxième info, un autre Ivoirien qui change de club, oui. C'est Serge Aurier. Il a effectué un transfert permanent du côté de la Super League turque de Galatasaray. Oui. Alors, le joueur de 31 ans avait rejoint Forest en septembre 2022. Oui, Nottingham Forest, oui. C'est ça. Et a fait 41 apparitions pour les Reds dans toutes les compétitions. Et là, le défenseur qui a joué 13 fois cette saison se rend désormais en Turquie pour rejoindre l'équipe d'Okan Buruk. Serge Aurier, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire victorieux
face au Mali. Troisième info. Troisième info, le linge sale continue de se laver en famille au Cameroun après l'élimination prématurée des Lions Indomptables en huitième de finale. Selon Jérémy Njitap, ancien international camerounais et actuel président de l'association des footballeurs du Cameroun, il aurait subi des menaces et des injures de la part de certains dirigeants de la FECAFOOT, et alors qu'il voulait simplement féliciter les Lions pour les victoires sur la Gambie lors du dernier match de poule. Bon, toujours après une défaite ou une élimination, il y a toujours ce genre de situation. J'espère quand même que la tranquillité et la paix reviendra dans la tanière des Lions indomptables. Autre info. L'attaquant Karl Toko Ekambi, donc toujours avec les Camerounais, a annoncé sa retraite internationale après le huitième de finale perdu face au Nigeria. Il a à ce jour 31 ans. C'est bien dommage. On a l'impression que les Camerounais ont encore du mal à digérer cette défaite. Oui, c'est lourd. Face c'est quand sûr. Même... Hein, face quand même au Nigeria. Oui. Ok, d'accord. Autre info. Amir Abdou, l'entraîneur des Mourabitoun de la Mauritanie, est courtisé par l'Algérie. Et selon certaines indiscrétions, l'homme... Non. D'accord. Alors, selon certaines indiscrétions, l'homme dont le contrat expire le 1er mars prochain est pressenti pour succéder à Djamel Belmadi. Mais selon le journaliste Lassana Camara, le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire seraient aussi intéressés par les services du technicien. Attention, parce qu'en Côte d'Ivoire, MS Faye fait déjà un bon travail. On ne sait pas si cette information est vérifiée. On verra bien. On va suivre de près. Autre info. La sixième, c'est la douche froide pour Saïd Benrahma, joueur algérien. En échec à West Ham, l'ailier de 28 ans avait pris la décision de se relancer du côté de l'Olympique lyonnais durant ce mercato d'hiver. Mais son transfert a capoté à la dernière minute. Oh, dommage. C'est bien dommage. Autre info. Alors, c'est la dernière et on va parler du coup du marteau, l'hymne officieux de cette CAN 2023. On a des chiffres donc qui donnent le tournis en deux mois. Ce titre s'est retrouvé à plus de 19 millions de vues sur YouTube. Et on l'entend, il est repris dans les stades, à la mi-temps, lors des dance cams, à l'international aussi. On a vu des internationaux des stades, étrangers. Faire le mouvement, danser au son du coup du marteau. Oui. Donc voilà. Le Mali a pris un coup de marteau face à la Côte d'Ivoire. Exactement. C'est ce qu'on peut dire. Et comment ça se danse, maman? Comment ça se danse? Allez, bon, écoutez, on est en joie sur ce tuto parce que la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, on va se retrouver encore pour un autre brief de CAN pour vous donner l'actualité concernant cette Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition du genre. Ce n'est pas encore fini. On se retrouve pour d'autres informations. D'ici là, au revoir.